José, j'imagine la tête que t'as dû faire quand elle t'a fermé la porte au nez. Bon, t'arrêtes, c'est pas drôle. Tout ça, ça me fait dire une chose, c'est qu'il y a une justice quelque part. Attends, ça va, j'ai peu de chance et tout, ça arrive. Ah non, ça, José. Draguer une fille et s'apercevoir après que c'est la cousine de Bénédicte qui vient passer quelques jours à la maison, on peut pas appeler ça de la chance. Ah non, attends, je peux pas deviner que c'était la cousine de Bénédicte. Et puis en plus, ça se ressemble pas, alors. Non, elle était mignonne quand même. Ah, ça ouais, hélas. T'imagines la tête que t'as dû faire quand t'as ouvert la porte, t'as aperçu que c'était elle. Ouh là là là. Ouais, bah je vais te dire la vérité, j'ai cru devenir fou. Puis il a fallu que je trouve une solution vite fait, parce que j'avais peur que la cousine elle mange le morceau devant Bénédicte. C'est vrai qu'elle a eu un bon réflexe là. Parce que dès que tu as dit que t'étais le fiancé de Bénédicte, elle a fait mine de te voir pour la première fois. Ah bah je vais dire Sébastien, elle avait intérêt. Elle avait intérêt. Enfin tout ça, c'est bien ce que je disais. Ah, il y a une justice quelque part, José. Attends, arrête, j'ai quand même pas commis un crime. Oh. Bah non, enfin quand même, t'aurais pu trouver autre chose que l'histoire de ta vieille tante qui est en train de mourir à Vierzon, écoute. Ouais bah, excuse-moi, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et en plus, fallait bien trouver une solution. Pour expliquer à Bénédicte que je dînais pas à la maison. Ah ouais, mais t'aurais pu trouver autre chose, parce que ça, c'était vraiment pas génial. Hein. Mais j'ai rien trouvé d'autre, figure-toi. En tout cas, je l'ai bien payé, parce qu'avec la nuit que j'ai passée. Mais t'es rentré à quelle heure? À 7h ce matin. Attends, fallait bien que je trouve le temps logique de faire l'aller-retour par Vierzon. Mais José, mais où est-ce que t'as dormi? Bah j'ai pas dormi. Enfin presque pas. Mais alors, qu'est-ce que t'as fait toute la nuit? Bah quand je me suis retrouvé dehors, et avec ma valise en plus. Je me suis dit que la meilleure solution c'était d'aller à la gare et de la déposer à la consigne. Mais t'as bien fait, ça c'est ce qui est le plus pratique à faire. Hein. Et après? Bah après, je suis allé manger un morceau vite fait dans un fast-food. J'ai traîné, puis vers minuit j'ai décidé d'aller boire un verre au Nélise. Ah bah alors ça c'était sympa, non? T'as raison, super sympa, c'était fermé, il y avait une soirée privée. Oh non! Mais José, c'était pas toujours. Ouais, tu peux le dire. Et après, qu'est-ce que t'as fait? Bah après, je suis retourné à la gare. Et je me suis endormi sur un banc. Je sais pas, de 3h à 5h du matin. Attends, tu connais pas la meilleure? C'est qu'un flic est venu me réveiller pour me demander mes papiers. Heureusement que je les avais, tiens. Mais pourquoi t'es pas allé voir Olivier et Christophe? Enfin, là ou là, tu vois. Attends, mais tu me prends pour un abruti ou quoi? Figure-toi que je les ai appelés. Ils étaient pas chez eux. Eh, ils ont découché, hein, je te signale. Ah bon? Tiens. Nos célibataires sont occupés en ce moment. Ouais. Mais cache bien leur jeu, ces deux-là. Ah, et Bénédicte, quand t'es arrivé, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah en fait, j'ai pas vu. Je suis pas allé dans la chambre, je suis venu directement dans celle de bain. Ah bon? Tu dois être crevé, hein. T'as raison, ouais. J'ai l'impression que si j'arrête de bouger, je vais m'endormir. Tu au fait, comment ça s'est passé avec les autres? Bah bien, ah bah ça très très bien. Tu sais, t'avais raison, hein. Cousine de Bénédicte, charmante. On a passé une très très bonne soirée, c'était vraiment sympa. Mais j'y pense, mais Olivier et Christophe, ils étaient avec nous. Pourquoi ils sont pas rentrés chez eux après? Bah en tout cas, je peux t'assurer qu'ils n'y étaient pas, hein. Parce que j'ai appelé toute la nuit. Au fait, ils sont partis à quelle heure? Bah, je sais pas. Je sais pas, parce que Lali était fatiguée, donc on est monté se coucher avant tout le monde. Je sais pas. Ah, José, je voulais quand même te demander comment va ta vieille grande tante de Vierzon? Imbécile. Elle est sympa cette Laurence, non? Ouais, pour une bordelaise, ça va. Oui, c'est bon, vous en avez parlé toute la soirée, tu vas pas recommencer là. Oh, ben qu'est-ce que tu veux? C'est ça le choc des minorités régionales. En tout cas, moi, j'en connais un qui était fasciné. C'était Olivier. Il n'a pas arrêté de la regarder. Ah ouais, ça c'était vraiment marrant. Christophe aussi d'ailleurs. Ah non, moi je crois pas. Je crois que Christophe, c'est toi qui le regardais. Lali, c'est de l'histoire ancienne, et puis de toute façon, il m'oublie. Ah oui. Mais moi, je crois pas. Et toi? Quoi, moi? Bah, tu crois qu'il t'a oublié? Lali, je t'ai dit que c'était fini. Complètement fini. C'est dommage, ça aurait été sympa que vous soyez à nouveau ensemble. Et au fait, la soirée s'est terminée bien? Vous êtes couchés tard? Ou ben, je sais pas, je suis montée une demi-heure après Sébastien et toi, et ils étaient encore en train de discuter, alors. Ah bah ouais, mais il était quelle heure? 3h du matin, c'est ça? Bah dis donc. Bah oui, j'avais les yeux qui commençaient à se fermer, c'est pour ça d'ailleurs que je suis montée me coucher. Hey! Mais alors? Il s'est peut-être passé quelque chose entre Olivier et Laurence? Lali,
Tu peux pas penser à autre chose qu'à ça. Salut Adeline. Salut. Alors José, ça y est, t'es rentré? Ouais, tout à l'heure. Et comment va la vieille grande tante de Vierzon? Ça s'est arrangé, le toubib s'est affolé pour rien. Alors voilà pourquoi je suis rentré ce matin, j'ai pris le premier train. C'est bizarre hein, quand même. C'est pas au point la médecine. Ouais, bah en tout cas, tant mieux. Bénédicte n'est pas encore réveillée? Je sais pas, je suis pas passé dans la chambre, je suis allé directement à la salle de bain. Ouais, bah à 8h du matin, c'est la grosse flemme là. Faudrait la réveiller quand même. Ouais, t'as raison, tu veux pas aller la réveiller, José? Non, dans l'état où je suis, je préfère pas, sinon je vais tomber dans le lit et... Super, laissez-moi, j'y vais. Je vais aller la réveiller. Je vais me venger de toutes les fois où elle m'a réveillée. C'est pas trop dur, hein, quand même, Lali. Ne t'inquiète pas, Sébastien, je serai aussi douce qu'elle est avec moi. J'y vais. Ciao, ciao. Ah, vous voulez du café, les garçons? Ah ouais, avec plaisir. Moi, si tu veux que ce soit efficace, t'intéresses le filet en intraveineuse. Désolé, mais j'ai toujours pas mon brevet d'infirmière. Il faudra te contenter d'un bol, hein. Pompine, c'est vrai. Bon alors, ta vieille grand-tante, ça va? Ouais, en fait, c'était juste un petit problème au cerveau, mais ça va bien mieux. Mmh. En tout cas, d'après ce que tu m'as dit, ça lui fait très très plaisir de te voir, hein, tu sais. Vous pouvez pas savoir comme elle était contente. Mmh. Bah, tu sais, c'est ça, les personnes âgées, elles sont très sensibles. Hein. Ouais. Mmh. Alors ça y est, tu l'as réveillée? Non. Parce que, en fait, elle était très fatiguée, alors je crois qu'il valait mieux qu'elle dorme, ouais, c'est ça. Lali, ne me dis pas que tu fais preuve de sentiments humains. Si, parce que, comme elle était très fatiguée, faut laisser les gens dormir quand ils sont fatigués, je crois, c'est ça. Mais attendez, vous êtes couché si tard que ça? Bah tu sais, on a pas mal discuté avec la cousine de Bénédicte, hein. Ah ouais. Aline, tu veux pas aller voir un truc, là? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben là, dans la cafetière, il y a une pièce qui est tordue. Où ça? Ben là, regarde bien. Ben non. Bénédicte n'a pas dormi dans son lit cette nuit, ses draps sont pas défaits. Je sais pas ce qui se passe. C'est ni le carburateur, ni les bougies. Oh là là, mais c'est pas vrai, ça! J'aurais dû écouter mon oncle. Quand il m'a prêté cette voiture, il m'a dit que j'avais toutes les chances de tomber en panne. Je suis désolé, les filles. Hein. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça plutôt rigolo. Oui, sauf qu'il est 8h30 et que les autres doivent commencer à s'affoler à la maison. C'est fou ce que t'es inquiète, mais t'étais pas comme ça avant. Oui, mais avant, j'avais 12 ans, tu vois. Et maintenant, c'est pas pareil. Ça y est, je crois que j'ai trouvé. Ah. Ouais. Attendez, on se calme et on attend. Oh. Oui, bon, alors il faut que je trouve une cabine téléphonique. On sait jamais s'il était arrivé quelque chose à la vieille tante de José et qu'il essaye de me joindre. Vous y avez pensé à ça? Ça m'étonnerait. Je suis sûre qu'il devrait pas t'inquiéter, sa vieille tante va très très bien. Oui, ça, j'espère. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis allée faire dans cette boîte? Mais c'est de ma faute, Bénédicte. C'est de ma faute. Quand on a vu que le Nélise était fermé, ce qu'il fallait faire, c'est rentrer directement. Mais non! C'était super, ce club. Et puis 50 km, qu'est-ce que c'est? Oui, à condition de pas tomber en panne en rentrant à 6h30 du matin. Alors, Christophe, qu'est-ce que c'est? C'est rien, je crois que c'est bon. Tu peux démarrer. Bon. Dépêchez, vous rangez les outils, on y va là! On se dépêche! Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils doivent penser à la maison? Ni Bénédicte ni sa cousine ne sont dans leur chambre. Et hier soir, elles vous ont pas prévenu de quoi que ce soit?
Ben non, on les a laissés avec Christophe et Olivier, et puis après on est partis se coucher, nous. Moi, je suis sûre qu'il aurait arrivé quelque chose. Mais non, arrête, Lali, il n'aurait rien arrivé. Non, mais en plus, il est 9h passées. Non seulement. Non seulement, elles sont pas là, en plus, elles sont même pas appelées. Mais oui, mais elles vont appeler, t'inquiète pas, elles appelleront. Ouais. Et si José se réveille et qu'il s'aperçoit que Bénédicte n'est pas là et qu'elle a découché parce qu'il a passé la nuit à Vierzon, hein? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Chut. J'en sais rien. Pour l'instant, on a de la chance, il dort. Oh, zut. Zut et zut. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis endormi, hein. Oula. Bah oui, oui, oui. Après le petit déjeuner, t'es venu, tu t'es allongé et... En 2 minutes, tu t'es endormi et tu ronflais. Quelle heure elle est? Bah, bon dormi. Il est pas tard, hein. T'as pas dormi beaucoup, hein. D'ailleurs, allonge-toi, dors, hein. C'est très bien. Non, j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Et Béné, elle dort encore? Ouais. Mais à mon avis, elle va pas tarder à descendre. Bon, je vais aller la voir. Et puis si je m'endors avec elle, tant pis, au moins je serai mieux qu'ici. Ah, non, attends, José, attends. Tu vas la réveiller en rentrant. Mais attendez, vous connaissez bien Bénédicte, elle a un sommeil de plomb. Mais si je la réveille, tant mieux. José, il vaut mieux pas que tu y ailles. Tu sais, il vaut mieux que ce soit moi qui y aille personnellement, entre filles. Ce genre de choses, ça se passe beaucoup mieux comme ça. D'accord? Qu'est-ce qu'elle raconte, là? Mais oui, viens, on va prendre un café, on va à la cuisine. Non, je veux pas de café, j'en ai assez bu. Attendez, mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Oh. Nous, rien. Mais toi, t'as l'air fatigué, hein. Ça, c'est vrai, t'as l'air épuisé. Sérieux? Peut-être tout à l'heure, mais ça va mieux maintenant. Allez, mais laisse-moi passer. Et ben voilà, Bénédicte est réveillée. Elle descend bientôt. Voilà. Bonjour. Non, c'est pas la peine. Elle est déjà partie dans la salle de bain. Mais je vais lui dire bonjour dans la salle de bain. Mais non. Tu sais très bien ce que c'est une fille. C'est désagréable d'avoir un garçon qui rentre dans la salle de bain, c'est vrai. Non, mais attendez, Bénédicte est ma fiancée. J'ai l'habitude de l'avoir dans la salle de bain, non, mais enfin. Oui, mais là, si tu veux, tu peux pas y aller parce qu'elle est mauvaise humeur. Alors ce serait bête que vous disputiez le matin de bonne heure quand même, hein. Une mauvaise humeur, pourquoi? Je sais pas, moi je crois que. Tu sais, elle a dû se faire du souci à cause de ton arrière-grand-tante. En plus, je vais la rassurer. Non, écoute, vraiment, non, il faut pas que tu aies. Non. Bon, ouais, laisse-moi passer. Non, José, fais pas ça. C'est pas ce que j'aime. Tu me sens grand. Aline, qu'est-ce qui t'arrive? Mais. Fais son nom, Aline. C'est vrai, faut le retenir. Aline! Mais qu'est-ce que t'as, Aline? Oh, hey, qu'est-ce que t'as? Aline, oh! Hey. Va vite lui chercher un verre d'eau, José, dépêche-toi, vite. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en sais rien, mon frère. En tout cas, bien joué, là, on gagne du temps. Oh, j'ai une idée. Si moi aussi, je tombais dans les pommes. Non, Lali, ce serait pas crédible. Ah ouais. Oh, ça y est. Oh, Aline. J'ai le verre d'eau. Tiens-lui à la tête. Oui. Oui, oh. Ah, oui. Salut, c'est nous. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La Bénédicte. C'est cuit. J'aurais jamais dû sortir avec vous. Mais qu'est-ce qu'il doit penser, José? Oh, ça va, Béné, arrête de te miner. T'as quand même pas commis un crime. Mais je sais bien. Mais vous avez vu comme il est parti furieux? Bon, bah écoute, t'inquiète pas, les garçons vont le trouver, José. Tu sais, tu devrais manger un petit machin. Oh non, mais non, j'ai pas faim. Puis je le connais, en plus, il a un vrai caractère de cochon. Mais vous l'avez bien vu, il a même pas voulu m'écouter. Bon, écoute, c'est vrai qu'il a un caractère de cochon, mais ça va s'arranger. Oui, et puis nous, on a tout fait pour le retenir. Évidemment, si tu n'étais pas arrivée au mauvais moment. Oh, mais je suis désolée, excuse-moi. Je suis arrivée quand j'ai pu. Oh, excusez-moi, les filles. Je sais très bien que vous avez fait tout ce qu'il était possible de faire, en plus. Bon, enfin, moi, il y a un truc qui m'a épatée, c'est quand Adeline est tombée dans les pommes, enfin, quand elle a fait semblant. J'ai vraiment cru que c'était vrai. T'as vraiment fait ça pour l'empêcher de monter dans la chambre? Non, mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse d'autre? Fallait qu'on gagne du temps, non? Alors là, bravo, pour une Toulousaine, tu m'étonnes. Hé, qu'est-ce que tu veux? On est comme ça dans la capitale du Sud-Ouest. La capitale du Sud-Ouest, c'est Bordeaux. Ah. D'accord, les filles, vous n'avez pas recommencé. Bon, soyez sympas, c'est pas vraiment le moment. Bon, d'accord, ok. Alors, racontez-nous ce que vous avez fait. Bah rien, on n'a rien fait, on vous a déjà tout dit. On est resté un peu discuter après que vous soyez monté vous coucher et puis Laurence a eu envie d'aller boire un verre en boîte et puis évidemment Christophe et Olivier se sont proposés de l'emmener. Et comme ma petite cousine ne voulait pas me laisser toute seule avec 2 garçons, elle a préféré nous accompagner. Mais non, arrête, c'est pas ça du tout. Tu parles, j'avais absolument pas envie de dormir.
Je m'inquiétais pour la tante de José. Ça, ma pauvre Béné, tu avais vraiment tort. Hein. Mais pourquoi tu dis ça? C'est important, la famille, non? Non, je disais ça comme ça, c'est tout. Bon, c'est pas grave. Alors, elle était bien, cette boîte? Génial, immense, avec des lasers partout, une super musique. Eh ben, tu vois, on aurait mieux fait d'aller au Nélise. Au moins, on n'aurait pas fait 50 km et on serait certainement pas tombé en panne. Mais qu'est-ce que c'est, 50 km, Béné? L'essentiel, c'est qu'on se soit bien amusé, non? Et alors? Olivier et Christophe ont été sympas? Adorable. Et lequel des deux t'a dragué le plus? Olivier ou Christophe? Un peu les deux. Mais Olivier un petit peu plus, je crois. Eh ben, c'est normal. C'est parce que Christophe, il est encore amoureux d'Adeline. Lali, tu vas pas recommencer. Mmh. Bon, les filles, arrêtez tout de suite, j'ai la tête qui va exploser, là. Et José, il est rentré à quelle heure ce matin? 7h30. Je crois qu'il a pris le premier train qui est rentré de Vierzon. Ah oui. Mais Laurence, mais qu'est-ce que t'as? Tu connais à peine José, j'ai l'impression que tu l'aimes pas. Non, je disais ah oui comme ça, c'est tout. Non, mais pour une fois que je sors, j'ai vraiment pas de chance, hein. Il est là, je savais bien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous allez jouer ailleurs? Bon, écoute, tu peux nous expliquer ce qui t'a pris de partir comme ça, comme un fou furieux? Si j'étais resté, je vous aurais tapé dessus. Oh là, attends. Déjà, tu te calmes, d'une, et puis on va t'expliquer, ok? M'expliquer quoi? Pourquoi mon meilleur ami m'a menti? Pourquoi j'ai deux copains qui traînent ma fiancée jusqu'à 9h du matin pendant que j'ai le dos tourné? Non, mais enfin, écoute, José, mais c'est pas ça du tout. Enfin, laisse-nous t'expliquer. Non, ça suffit, vous m'avez pris pour un crétin, et en plus, vous m'avez menti. José. José! Quoi? Si on t'a menti, c'est parce qu'on voulait pas que tu t'inquiètes. Ouais, c'était pas plutôt pour couvrir les frasques de Bénédicte? Les frasques? Non mais attends, Bénédicte est venue avec nous pour accompagner sa cousine, d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Mademoiselle va s'amuser en boîte, pendant que je suis au chevet de ma vieille tante malade à Vierzon, qui est en train de rendre l'âme en plus. Et je te dis ramène. Attends, non, José, pas à nous, ça. Ouais, d'accord, pas à vous. D'accord, j'ai pas de vieille tante malade à Vierzon. Mais Bénédicte, elle le croyait. Et s'il avait eu un soupçon de sens moral, elle serait restée à la maison. Écoute-nous, on devait aller boire un coup, c'est tout. Écoute, José, Bénédicte est venu avec nous parce qu'il était trop angoissé. On l'a convaincu de venir se changer les idées, ça te va? Non, tu pars jusqu'à 9h du matin, elle a eu le temps de se changer les idées. Hein. Oh. Ça va pas ou quoi? On est rentré à 9h parce qu'on a eu une panne! Une panne, au coup de la panne, j'y vais avant toi. Hein. Bon, écoute, tu vois ça, hein? C'est quoi? C'est du pipeau, ça? Regarde! Ah, arrête! Bon, José, on est tes amis, pourquoi est-ce que tu veux qu'on te mente? Parce que toi, tu m'as déjà menti. Je t'ai déjà menti. Mais attends, mais... Je t'ai déjà expliqué, si on t'a menti ce matin, c'est parce qu'on savait pas où était Bénédicte et on voulait pas que tu t'inquiètes. Attends, t'étais pas au courant qu'elle était avec Olivier et Christophe? Mais non, mais je t'ai déjà dit, je me suis couché avant! C'est vrai, on a décidé de sortir que beaucoup plus tard. C'est Laurence qui voulait sortir, de toute façon. Bah, elle m'a l'air drôle, celle-là. Ouais. Je crois que... T'es bien passé pour savoir, non? Ouais, mais j'en ai fait de me casser une jambe quand je l'ai rencontrée. Ah non, non, non. Non, moi, je suis pas du tout d'accord, parce que Laurence, je la trouve très mignonne, et je crois que j'ai toutes mes chances avec elle. Comment ça? Ça marche pour toi, Kyle, là? Ah. José, ça y est, José revient. Allez, on fait la paix. Ouais. Bah, jurez-moi que vous m'avez pas menti, on verra après. Mais oui, on jure. Bon, allez, je pense que maintenant, ça suffit. Bah... Ouais. Wow. Je préfère quand t'es comme ça, hein. D'accord. Bon, allez, raconte-moi, toi, avec Laurence. Oh non, José, non. Non, non. La grenadine pour toi, c'est ça? Merci. Merci. Oh, les tourteaux. Un petit jus de pomme? Merci. Tu sais que j'étais vraiment inquiète pour ta vieille tante hier soir. Ah, je sais, mais ça va bien mieux maintenant. Ça n'a pas dû être drôle de faire l'aller-retour jusqu'à Vierzon, hein? Non, pas trop, non. Non.
Dites, c'est drôlement sympa de nous avoir prévenus, Adeline et moi. Hier soir, quand vous êtes sortis, on serait peut-être venus avec vous, non? Mais... et moi? Mais toi, tu sais bien que tu te couches comme les poules, mon chéri. Merci, merci. Eh, mais excusez-nous, on s'y est pris vraiment la dernière minute. On pensait que vous dormiez, quoi. Oh bah tu sais, en ce qui me concerne, c'est vrai. Hein. Vraiment, je suis tombée comme une masse. Moi aussi, mais bon, quand même, quoi. Ah, c'est sympa, la vie avec vous, on ne s'ennuie pas. C'est toujours comme ça? Parfois, c'est pire, hein. Ouais, mais heureusement, parfois, c'est cool. Moi, j'aime pas quand c'est cool, je préfère quand ça bouge. C'est marrant, moi aussi, j'aime bien quand ça bouge. Attends, toi, tu aimes bien quand ça bouge? Christophe, c'est pas très gentil de casser les plans de tes petits copains. Non, mais je disais pas ça pour ça. Mais... non, ne vous inquiétez pas, il a rien cassé du tout. De toute façon, quand je trouve un garçon mignon, je suis assez grande pour me débrouiller toute seule. Oh, mais dis-moi, on dirait que tu trouves Olivier mignon, hein? Ouais, il est pas mal. Merci. Attends, dis-moi, Laurence, t'aimes bien ce genre de belâtre, toi? Désolée, mon petit José, mais oui. C'est super, comme ça, Olivier est cassé. Laurence va penser que personne n'en veut. Vous devriez être encore plus sympa avec moi, là, vous tous. Mais non, ça va, t'inquiète pas. Ben, il nous reste plus que Christophe à casser. Oui, mais en fait... mais... Il est où, Christophe? Oh. Il est... mais il vient juste de partir. José, tu sais ce qui me ferait plaisir? Non, mais je sais que tu me le dis. Eh bien, c'est que tu m'amènes à Vierzon pour voir ta vieille tante. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est important, la famille, non? Un garçon magnifique qui se sourit, un regard échangé, un soir d'été, deux enfants du même âge qui s'aiment sur une plage. Cela s'appelle le miracle de les yeux fermés, deux cœurs qui s'abandonnent dans les rochers, des serments échangés.